accepté d'être membre de CODNI et pour participer au dialogue national inclusif pour sauver le Tchad. Il faut que les Tchadiens nous comprennent que notre participation, ce n'est pas une complicité, ce n'est pas un soutien pour le CNT. Tant que le dialogue, nous sommes dans le dialogue, il faut que ce dialogue soit un dialogue national inclusif. Si le dialogue ne soit pas un dialogue national inclusif, il faut que les gens comprennent qu'il y aura plusieurs Tchads. Le problème qui mine le Tchad, c'est un problème d'impunité, le problème de l'injustice, de la malgouvernance, les pillages, les crimes. Ce pays est géré par un groupe, ça fait 42 ans. Ce que les gens comprennent, ce pays appartient à tout le monde. Le Tchad appartient à tous les Tchadiens. Nous sommes tous égaux devant la loi, devant la justice. Il faut que les gens comprennent notre participation à ce dialogue, c'est pour sauver le Tchad. Si le dialogue ne réussit pas, et les mêmes gens qui se trompent, qu'ils vont faire les mêmes bêtises qu'ils ont fait avec 31 ans de règne, il faut que les gens là cessent leur égoïsme là. Ce pays, il y aura plusieurs Tchad. Et je vous remercie.